Mercredi 21 mars, Liège était en effervescence. La cité ardente lançait le décompte des 100 jours avant le départ du Tour de France, qui, comme on le sait, passera par notre province et plus précisément par Visée. Plusieurs événements étaient prévus pour commémorer ce cap et le présenter à la presse, à commencer par l'arrivée en Thalys de quelques personnalités, dont Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, ainsi que Bernard Hinault, rejoint par notre Eddy Merckx national. Un Thalys dont c'était le voyage inaugural entre Paris-Nord et Liège dans sa décoration spéciale Tour de France. C'est au pied de la gare des Guillemins que le décompte a été donné, en compagnie de quelques dirigeants locaux, ce compris notre bourgmestre Marcel Neven, rejoint un peu plus tard par une délégation visétoise complète qui embarquait à bord du Pays de Liège, lui aussi décoré pour la circonstance. Avec sa 99e édition, la Grande Boucle démarra de la province de Liège pour la 16e fois de son histoire, avec un départ donné de notre cité de Loye le 2 juillet pour la deuxième étape. Une première dont notre ville entend bien profiter pour faire découvrir ses charmes au monde entier. Assurément, un grand moment pour la capitale de la Basse-Meuse, sur lequel nous ne manquerons pas de revenir en temps utile.